Vous parle. Pour le oui, coup. donc il y a deux types de lieux. Il y a le lieux vibratoire naturel et les lieux vibratoires qui sont façonnés par les anciens bâtisseurs. Je dis exprès le lieu vibratoire et pas le lieu sacré parce que je, je pense qu'il y a une petite différence. Quelle différence faites-vous euh, Les lieux sacrés, souvent, ils sont marqués soit par euh, les grandes pierres, euh, maintenant par les chapelles, par les églises, etc. Mais il y a les lieux vibratoires où on ne peut pas classifier comme les lieu sacré. Ça veut dire qu'il y a des cascades, peut-être des pierres, mais dans une autre forme, différemment posée, Et peut-être qu'il y a aussi des oratoires où il n'y a absolument rien. Il n'y a que à ressentir. Votre phrase, vous dites « quand le promeneur se découvre pèlerin ». Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que souvent on passe. Ça veut dire qu'on va d'un point A à un point B, on file parce que souvent c'est chronométré, on fait des altitudes, on regarde qu'est-ce qu'on a fait, mmh. quelle aventure on a fait, mais en fait, on oublie d'écouter soi, on oublie regarder et être avec le lieu. Mmh.